Hey, salut tout le monde, c'est chez Loser, on est sur Death Gambit pour la suite du Let's Play. Alors, il est vrai que j'aurais dû me retrouver devant le boss, hein, c'est ce que je vous avais indiqué. Mais, bon, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal bah, de commencer au checkpoint. Voilà, histoire de pouvoir bah, faire une introduction tranquille. Et puis du coup m'échauffer un peu juste avant le boss, hein, parce qu'un boss qui était pas évident, hein, on l'a vu juste en fin de dernière vidéo. Bon, j'ai vu un tout petit peu le pattern, j'ai vu qu'il pouvait grappe et qu'il faisait des dégâts de dingue. Alors sinon, on avait quand même, précédente vidéo, fait pas mal de petites choses très sympathiques, avec une zone un peu style alien, et on avait combattu un boss qui était très très intéressant. Hop, donc un boss électrique, hein. Petit crapaud là, allez petit crapaud. Bon, donc on va voir un petit peu ce, je crois que c'était un style de spectre, le spectre du roi, je ne sais pas quoi, hein. Je m'en souviens plus. Alors je vais faire un petit check par contre avant. Du perso, déjà je vais mettre mon arc, même si je l'utilise peut-être pas. On va mettre ceci, je vais enlever les bombes, je vais mettre plutôt ça. Au niveau des gars, on n'était pas dégueu, hein, mais c'est lui qui faisait énormément mal. Globalement, faut pas qu'on se fasse vraiment toucher, sinon. Eh ben sinon c'est la mort assurée, hein. On va récupérer déjà la plume. Allez, donc je vais me concentrer, hein, parce que tous les boss de ce jeu sont pas évidents. Même si pour l'instant ça se passe bien, mais. Alors, je vais essayer de pas trop mettre trop tôt mes buffs. Pour en profiter plus longtemps. Voilà. Allez. Ok, déjà. Ça va, j'ai bien encaissé. Ouais, enfin, attention de pas trop encaisser. Là, le grappe. Là, il me fait un style de truc. Ok, faut que je me casse là. Je me soigne. Là, il me refait ça. Ça serait bien. Oh putain, les dégâts! Les dégâts! Qu'est-ce qu'il fait là? Alors ça c'est quoi? Ça j'ai pas tout capté. Je vais me soigner parce que c'est là. Ouf. D'accord. Je me soigne. D'accord. Je crois que j'ai compris un truc. Je vais mettre ça. Ok, et là par contre, soigne-toi, soigne-toi. Ok, t'as un peu de temps pour te soigner. Il vaut mieux soigner à chaque fois. Putain. Soigne-toi. Défonce-le là. Oh, et franchement, il est chaud. Il me reste plus aucune potion. Bon, ça va, j'avais encore 5 feuilles. Il est tendu celui-là, hein. Je pense que j'aurais dû jouer avec la parade comme ça, du bouclier. Je pense que je l'aurais stun. Ouh. Par contre, il est intensif. Hein. Ça dure pas longtemps, le combat, mais il est intensif. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Fleurs magiques. Toucher des fleurs brillantes vous donne 10 secondes de double saut illimité. C'est excellent, ça. D'accord, ça me permet de faire ça. Ok, donc ça c'est un super truc. Bon, alors je vais encore risquer d'avoir des coups de téléphone. Putain, et ça me...
Ça, c'est impressionnant. J'essaye, et pourtant, alors, je vous raconte un peu ma vie, mais franchement, ça me gonfle. J'essaye d'être tranquille quand je fais des vidéos et j'ai toujours des coups de téléphone de merde. Donc, je débranche presque le coup de téléphone, mais alors, je suis toujours dérangé et ça me gonfle, mais alors, d'une force, ça. Ça m'énerve. Bon, je vais être obligé de faire un truc. Bon, je reviens. Bon, allez, j'espère que je vais plus être dérangé. Ça, par contre, ça a tendance à me m'énerver très très vite, ça. Ok, ça me met dans une bonne ambiance pour faire ma vidéo. Génial. Encore si c'était la première fois, mais bon, c'est en continu, en continu, en continu. Putain. Bon, allez, que je prenne un peu de plaisir, là, parce que c'est des trucs comme ça qui ont tendance à me contrarier si c'était, comme je dis, si c'était qu'une seule fois, mais bon, c'est pas le cas. Et là, c'est pas toujours des pubs. Alors, donc, ce pouvoir-là, je vais regarder si... Ouais, 10 secondes, c'est quand même vraiment excellent. Ça va me permettre de... Ouais, c'est terrible, ça. Là, il n'y avait rien de plus. Je regarde un peu. Donc, soit je peux redescendre. Je vais redescendre déjà. Parce que là, je sais pas du tout où je vais. Hop là. D'accord, je me retrouve ici. Ramasser fleurs de Gaïa. Ah oui, mais là, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, voilà, je préfère dégager. Dégager l'objet. Donc oui, j'ai pas récupéré certains coffres dans la zone, des coffres dorés en plus. J'aimerais bien le faire. Je vais quand même regarder avant où ça va, ça. Alors là, il y a des styles de chouettes avec des cristaux. Je peux y taper dedans. Zéro dégâts. Non. Ok, donc là, je peux pas y aller. Je me retrouve où sur ma carte. D'accord, donc du coup, je peux pas accéder à Almulvaro. Donc ça, c'est un boss. Ok. Bon. Il y a un style de pierre, peut-être, qu'on peut incruster ici, là. On dirait un joyau, ou je sais pas quoi. En tout cas, là, je peux descendre déjà ici. Portail vers le sanctuaire central. D'accord, vers le hub. Waouh, on peut déjà être TP directement au hub, ici. Donc ça, c'est déjà... très très bien. Alors, j'ai récupéré ça, et alors ça va me permettre quoi? De ramasser ces verres, oui, surtout. Donc là, je peux grimper direct. Ouais, ça facilite énormément puisque du coup, on a accès vraiment. Ok, attends, je vais me débarrasser de celle-là. Là. Voilà, je vais prendre la fleur ici. Ok, et là, du coup, je peux pas y aller. Il y a le coffre là, je le vois le coffre, mais comment j'y accède? Putain, je sais plus.
J'aurais cru que c'était lié au... Non, non. C'était lié vers le boss. Attends, je vais regarder sur la carte. Non, non. Ça doit être par là plutôt. Ah ouais, c'est par là. Voilà. Et donc là, ça pourrait être où? Oui, oui, c'est vers le cheval là. Ok, il est là. Est-ce que je vais l'avoir là? Oh, 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 oh. Putain, qu'est-ce que ça fait mal ça? Ok, j'ai eu le coffre. On va se soigner. Graine de connaissance. Franchement, j'ai bien fait d'aller le chercher. J'ai vraiment bien, bien fait d'aller le chercher. Alors. Je me pose la question. Jamais plume de téléportation. Franchement, c'est moyennement fait cet inventaire. Par contre, ça, je trouve, c'est pas topissime. Si je reviens ici, attends, on regarde la carte avant de se précipiter n'importe où. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, là, il y a un boss. Bon, ok. De toute façon, les petits drapeaux là, ça montre les trois boss pour pouvoir ensuite partir vers beaucoup plus loin là. Je crois que c'était ici que c'était bloqué là. Ouais ouais, donc je pense que ça sera pas pour tout de suite. Je crois que il y avait un petit endroit de ce côté là. Là là. Là et là. C'était bloqué. Donc comment je peux revenir au plus tôt? Je suis où moi? Moi je suis là quand même. Bon, allez. D'accord, je reviens ici. Ok, ça marche. Donc, on va repartir directement au hub et à partir de là on va voir un petit peu. Donc je suis où là? Ah ok, je vais me remettre ici. Alors là ils m'ont mis une fleur pour faire quoi? Donc ouais, pour accéder au portail ici. D'accord. Bah ça c'est pas mal du tout. Tiens, il est mort lui là? Ouais, donc lui est mort, super. Donc toi tu te retrouves ici, toi là. Bast. Il semblerait que le chagrin ait consumé notre ami et ses murmures. Elle est partie en flammes en prétendant renaître de ses cendres. Elle n'est plus que poussière au vent. Quelqu'un d'autre de Villardure vous accompagne. Un exilé à en juger par son moignon. La chasse coule dans les veines tel un violent torrent. Considérez cela comme un avertissement amical. Attends, c'est toi qui es en train de tuer tous les PNJ là? Mais tu vas connaître ma fougue. Petite pourriture. Ouais, ouais, il a tué un PNJ là. Bah tu n'en tueras plus. Bon. Heureusement, il n'a pas tué l'escargot.
Je vais regarder un petit peu où aller. Je sais pas si j'ai bien fait de le tuer, mais voilà. Il se foutait de la gueule de l'autre qui était décédé. Ça m'a pas plu. Donc je t'ai défoncé. Bon, allez, on va arrêter les conneries. Ah, il en faut un peu. Du coup, maintenant, ce qui serait bien, c'est que je retourne à Garde Team, là, Thume. Garde Thume, donc il faut... Je vais redescendre... On va redescendre par là. On va essayer d'aller au plus court de ce que je me souvienne. Parce que c'est quand même pas si proche que ça. Donc là, le père de Yon qu'on avait tué. Et donc on va retourner. Il y avait deux endroits où j'étais bloqué, mais alors, mes souvenirs, je sais pas si c'est vraiment sûr à 100%. Il me semble qu'il y avait une fleur. Ouais, je crois qu'il y avait même plusieurs fleurs. Il faut que j'aille où là? On va descendre par là. Après, il y a pas mal de fleurs qui vont être, à mon avis, que pour monter. Je me retrouve où là? Ici? Non, non, on va prendre plutôt l'autre côté. Voilà. Est-ce que j'ai des... Oui, oui, attention, je peux mettre des niveaux là. Alors, je vais prendre 14 ici, en Vita. Parce que j'ai peut-être envie de changer. De changer, comment ça s'appelle, mon... Ça là. Sachant que ça, ça me donne 15 en vitalité. Donc, on peut augmenter la vitalité également en montant. Ici, par exemple, l'homme de l'ombre. Ou la cape de spectre. Ou les bottes de barbare. Peut-être que je vais choper mieux par la suite. C'est pour ça que pour l'instant, en bouclier, donc j'en ai, il y en a un qui a disparu. J'ai pas compris. Bon, bref, il y a des trucs, je sais pas, c'est chelou. Ok, je l'ai joué un petit peu à l'arrache là. Come on again, beast to fly. Ok, ça c'est bon. Premier endroit. Non, là c'était la salle de boss, donc c'était pas ça. Donc ici. Là où il y avait un chevalier style d'archange, il y avait un endroit avec une fleur juste derrière lui.
Voilà. Ok. Là, il y a bien la fleur. Donc, ah, le labyrinthe. Ok, je ne serais pas allé très loin. Donc, c'est bloqué. Ok, bon, ben, on a vu. On a vu, mais... Mais pour le moment... On n'a pas la solution. C'est pas de ce côté. Je vais me laisser tomber. Voilà, comme ça, ça ira plus vite. Et alors, l'autre endroit, c'était... C'était par là. Fin du voyage. Et là, on a une fleur. Eh ben voilà. On va se méfier. J'atterris dans une... Dans des flaques de sang, là. Ouais, il y a du sang partout dans les escaliers. Waouh, c'était quoi cette bestiole de malade là? Attention toi! Ok, il m'a foutu une condition de je sais pas quoi. Putain, il y a la bête bête là. Il y a la grosse bête. Ok. Attends, tu te calmes. Putain, elle veut me bouffer celle-là. Hein, elle veut me bouffer. On va se mettre 15. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, bah super. On est dans une nouvelle zone. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est quoi ça? Hop, hop, hop. D'accord, le pont. Le pont se casse en morceaux. Ouais, je peux descendre. Je peux descendre par ici. Là, il y a un objet. Il y a quelqu'un. Tue-moi, s'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard. Je voudrais bien le faire moi-même, mais ils m'ont attaché. Il doit y avoir une clé pour vous. Non, non. On n'a pas le temps. Ils vont bientôt me transformer. La mort est la seule issue de cet endroit. Vous préféreriez revivre vos regrets encore et encore? Quoi? Vous parlez d'une vieille propagande alvinienne. Le clergé de Sommeil Éternel a mis fin à ces rumeurs depuis bien longtemps. Je peux vous donner un cours d'histoire plus tard. Vous allez m'aider, oui ou non? T'aider... Je sais pas, il faut une clé. Saut de renforcement des ténèbres. Non, on dirait pas une clé, je sais pas ce qu'il faut. Quand j'ai une condition, là, de tête de mort bizarre, c'est eux, là, qui me la mettent. Il vient pas lui. Putain mince. Hop. J'ai récupéré quoi? Pierre d'âme. Attends, je comprends rien là. J'y comprends que dalle. En tout cas, je peux descendre. J'ai récupéré ça. Putain, je suis où là? D'accord. Toi, t'es dead. Ici. Je peux pas y aller. Dans cette mare de sang là. Je vais regarder un truc. Ouais. Ce que j'avais bien vu. J'ai vu un objet par là. On peut remonter complètement. D'accord. Les dagues de lancer. Bon, franchement, je m'en fous un peu. Là, il y a un bouquin. Je peux peut-être le récupérer. Ah, j'ai pas eu le temps. Attends. On va prendre ça.
Voilà. Et là, j'ai pu récupérer conseillère fantomatique. Plume flamboyante. Ok, on va regarder ça. C'est peut-être une plume qui est un peu mieux que la mienne. D'accord. Eux, donc, par contre, ils claquent pas. Et moi, je prends des dégâts. Mais bien sûr. Bah ouais, sinon, ça serait pas rigolo. Clé d'ivoire. C'est quoi ça? Des carottes. Ok, bon, bah, il y avait deux carottes. Ça va, ça fait pas tant de dégâts que ça le. La mare de sang là. Tiens, là il y a un truc. On va essayer de prendre la fleur pour y accéder. Hop. Je me dépêche. Voilà. Déjà me débarrasser de ça. Alors l'autre. Ah, d'accord, le truc te tue pas, toi. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Qu'est-ce qu'il te faut? Donne eau rouge, s'il te plaît. Donc l'eau rouge. Ça pourrait être quoi? Ça là? Oui, c'était ça. Et du coup, graine de la connaissance. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un énorme monstre en haut. Et là, on a des styles de plateforme. Mais elles sont loin, là, je peux pas. Hop là, raté complet. Et par contre, avec. Ouais, je sais comment y accéder. C'est là où si t'as pas la fleur, c'est laisse tomber. Hein. C'est pas possible. Alors, vite. Par contre, faut se dépêcher. On va vite se manier. Ah, ok. Attention. C'était un peu dangereux ce que j'ai fait là. J'avais pas regardé ma barre de vie. Eux, c'est bizarre, hein. On peut pas les shooter d'ici. D'accord. Bon. Alors, des plateformes, j'adore le kiff. D'accord, je peux m'accrocher ici. Ok, on récupère ça. Toi, t'es tombé. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Putain, il est pas dead lui. Je vais le tuer comme ça plutôt. D'accord, il me faut des. Oh putain, je les ai pas mis là. Je les ai pas mis, c'est quoi ça? Je récupère la conseillère là, je sais pas quoi. On va essayer de se dégager de cette merde. Sympa, 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 putain, foiré. Eh oui, mais il me fallait ça. Il me fallait ça, ben oui, mais. Oui, mais si je l'avais su. Bah, ça m'oblige à remonter, hein, c'est tout, hein, ma petite Lucette. C'est comme ça, ma petite Lucette. Là, je peux. D'accord, mais. Bon, là, 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 là. C'est un peu cancer, cette zone-là. Elle est un peu cancer, hein. Vas-y, prends-toi ça et maintenant je te niaque. Pourriture. Toi là, je peux pas te tuer là non plus? Non, ça a pas l'air. Alors, faut que j'aille où là?
qu'est-ce que je déteste ça! Putain, j'aime pas ces putains de plateformes de merde! Qu'est-ce que je déteste ça, mais vraiment! Putain! Ça me saoule ces putains de sauts à faire là! Allez, dépêche-toi! Ouais, bien sûr, comme par hasard, dès que t'arrives là, tu les as plus. Comment je peux arriver à... Là, ok. Oui, bah bien sûr. J'en ai utilisé des plumes. C'est certain. Il y a un coffre. Il y a plein de trucs en plus super intéressants. Attends, il y a un dragon là? Waouh. Il y a un objet là-bas. Il y a plein de trucs. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Approchez. Qu'êtes-vous? Votre salut, si vous avez le courage de boire mes paroles. Je vous écoute. Un faux espoir vous accable. Par-delà les ténèbres, votre esprit nu se flétrit. Si vous voulez vous réveiller, renoncez à la mort. Alors, attends. Déjà, apprendre capacité, c'est quoi ça? Nécessite la faux et 50 en finesse. Ouais, bon, ok, c'est pas de mal à veille. Inflige des dégâts très importants à tous les ennemis à l'écran. Ça doit être fort, ça. Hein. Ça doit être fort. Ouais, mais bon. Vous les entendez aussi, n'est-ce pas, les murmures? Vous êtes si vite devenu proie. Dépérissez donc dans votre propre esprit. Bon. Ok. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, je redescends là. Hein. Donc il y a encore toute une autre zone là-bas, mais comment j'y accède? Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. Il y a des trucs qui sont vraiment pas évidents à cerner avec. Avec ce don là, hein, franchement, c'est pas du tout évident. Putain, tu m'énerves, truc, toi là. Je peux pas les casser, ces trucs? Non, je peux pas. Ok. Non, je peux pas les casser. Alors, par contre, je vois pas du tout. Ce qu'on peut faire, hein. Je vais retomber vers là, voilà. Du coup là je profite des 10 secondes supplémentaires et là je suis bloqué, je peux pas casser ça. Toi je peux te taper, c'est sûr. Bon ben voilà, je redescends là et voilà. Ouais, c'est compliqué là, j'avoue que c'est pas évident à savoir ce qu'il faut faire. Parce que là, ok, bon là je vais plus avoir, voilà, j'ai plus le truc, j'ai plus la fleur. Bon bah là j'imagine que, bon, je vais retourner, mais oh putain. Non. Par contre, comment je vais de l'autre côté? Ouais, bah faut y aller en hauteur là. Faut y aller en hauteur. Et comment je remonte? Je pense qu'il faut que je retourne au... Allez, plume. Compliqué, hein. Compliqué, hein. Franchement. Zone compliquée. D'accord, j'ai récupéré la clé de tout à l'heure, ça me permet d'ouvrir ça. C'est quoi ça? Merde. Attends, c'est quoi? C'est une faute statue là? Mais non! Je tape dedans, je me suis dit mince, j'ai fait une boulette. Et en fin de compte, non, j'ai bien fait. Ok, là, donc, ça pète. Attention, là par contre, faut pas que je tombe.
D'accord. Allez, viens. Aïe, 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 ok. Déjà, ce qui est pas mal. Puis tu es à distance, hein, parce que franchement, j'ai pas envie de tomber. D'accord, il y a ces trucs là. Et là-bas, il y a un. D'accord, en plus ça tourne comme ça. Ok. On va tuer à la basique. Hein. Ok. Là, par contre, j'aime pas ça. Ok, tout se pète. Tout se pète. Alors, je veux vraiment pas tomber là. Il faut que j'arrive au bout. Quitte à me faire toucher, tant pis, je m'en fous. Ok. Toucher, mais peut-être pas tuer. Hop, non. Non, non, remets. Voilà, remets-toi ça. Dégage-toi. Ok. Est-ce que ça servait à grand-chose de le tuer, lui? Non, ça servait à rien, puisque là, il va repop. Bon, ben là où je suis content, c'est que je pense que je suis arrivé au bout de la zone. Donc ça me plaît déjà. Attention, attention. Il y a du monde là. Perte de santé max due à la contagion. D'accord, la contagion, ça te fait perdre de la santé max. Ça marche. Là, je me pose la question si ça vaut le coup de descendre, je sais pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ok, ça se casse, d'accord. Ça y est. Oh putain. Ça, c'est les trucs que je déteste aussi. Ah, mais il y a des trucs que j'aime pas dans ce jeu. Hein. Il y a des trucs, mais c'est mal. C'est pas que dans ce jeu. Ah non, la contagion m'enlève complètement. C'est-à-dire que je peux plus arriver à reprendre ma full life. D'accord, ok. Perte la santé due et il n'y a pas de compteur. C'est-à-dire que globalement, ça reste tout le temps. À moins d'utiliser un objet. Voilà, annule la contagion, c'est le panacée. Putain, j'en ai qu'un. Bon, bah, je l'utilise. Vois ça. Maintenant, tue-le. Voilà. Là, par contre, ce truc, même si je mets du temps, je vais. Il faut que je récupère. Putain, dis donc. Il est solide, celui-là. Ok, on va faire ça. Oh là là, t'es sérieux? Putain, pourtant je fais des dégâts quand même, mais vas-y, récupère ce coffre. Je sais pas si je l'aurai, hein. Franchement, je sais pas si je l'aurai. On va le tenter quand même, hein, mais... 2, 1, 0, vas-y. Je m'excite sur la manette là. J'ai l'impression que je l'aurai pas. Hein. J'ai pas assez de puissance.
Bon. On va attendre un peu les 34 secondes là. D'ailleurs, ils mettent peut-être ça. Bon, j'essaye un dernier truc et après je laisse tomber. Donc je fais ça. Ok. Allez, c'est parti. Là j'y vais. Je mets la dose. Si là ça marche pas, je laisse tomber. Pff, oh, sa race. Cupidité. D'accord. J'espère que ça vaut le coup. Je pense que oui. Hein. Cupidité, en règle générale, ça doit être pour récupérer plus d'âmes ou un truc comme ça. C'est où? Volute. Là. Augmente les chances d'apparition d'objets de 3%. Ouais. 3%, c'est pas... C'est pas foufou, hein. Moi ça et ensuite je me casse. Putain. Ok. Je vais regarder s'il y a... D'accord, le dragon là. Oh putain. J'ai eu l'impression qu'il voulait me bouffer le truc. Il aurait pu peut-être me grappe. C'est quoi ça? Parler? Thalamus? Hypothalamus? Laissez-moi mourir s'il vous plaît. Putain mais... Je regrette, je regrette. D'accord, je peux descendre ici. J'ai pas capté là. Qu'est-ce que c'est que ça? Conseillère fantomatique. Ok, direct. Direct, bon bah là... là c'est la mort. Hein. On va regarder déjà le pattern. Hein. C'est quoi ça? Alors ça je peux le casser. Ouais, ouais, ouais. Il y a lui, là. J'ai pas l'impression que... je... C'est... Ouais, si je le tue, oui. Je vais mettre ça, peut-être, déjà. Putain. Tu vas crever, toi? Ouais, en tout cas, j'ai pas l'impression que je fasse beaucoup de dégâts. D'accord, il revient, lui. Ça c'est quoi? Ça je peux pas les péter. Attends. Je vais mettre mon buff de puissance.
Et là, je vais t'envoyer quand même la dose. Maquisitrice obtient une nouvelle capacité. Je comprends rien. C'est quoi ça? Je pense qu'il faut que je pète tous ces trucs là. À mon avis, il faut que je tue tout ça là. Ouais, 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 ça doit être ça. Bon, on essaye, hein. On essaye, de toute façon. J'ai plus beaucoup de vie. Ça, je peux le péter, oui. Ok. Là, il reste un truc comme ça. On va le péter aussi, hein. Putain, et je mets 0 de dégâts pour l'instant. J'ai même pas fait un seul dégât. Je comprends rien du tout. Je ne fais aucun dégât. Ok, j'ai plus de plume. D'accord, elle arrive. Et là, j'ai fait des dégâts. Ok, d'accord. Non, sans déconner. Là, par contre... Là, ça me donnait vraiment l'impression que mon perso n'était pas assez puissant. Hein. Mais vraiment. Oh, l'impression que ton perso... Mais non. Non, non. Là, j'ai pas du tout la puissance suffisante pour l'affronter. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Non. Non, je tape vraiment pas assez fort. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus courte. Je sais pas. Je vais un peu réfléchir à où je vais aller. Aller récupérer... Ah non, non. C'est bon. Je suis pas obligé de récupérer mes trucs. Voilà, déjà... J'utilise ça comme ça. Je fais level up. Bon, bah ok. Bon, la vidéo s'est bien passée. Je trouve que la zone, là, elle est pas évidente. Hein. Elle est pas évidente du tout. On a pas mal de mobs. On tombe beaucoup. On a... Pff, voilà. Et puis, bon, bah ça, c'est pas le jeu qui peut. Mais ça m'a gonflé ces coups de téléphone. Voilà. J'avoue que, voilà, ça m'a gonflé. Ça m'a énervé. Et j'étais... Ça m'a gonflé toute la vidéo. Bon, voilà. Je suis quelqu'un qui a tendance à focaliser. Hein. Je voulais déjà répéter. Et quand il y a un truc qui me tourne dans la tête, et ben je ne l'ai pas ailleurs, hein, comme on dit. Bon, en tout cas, je vais peut-être du coup aller récupérer ma plume. Ça sert peut-être à rien, puisque ici on peut la récupérer. Ouais, tu peux la récupérer, mais il te faut 763 éclats. Mmh. Bon, je verrai. Peut-être que j'irai récupérer la plume et ensuite je me TP ici. Je pense que là, on n'a pas la puissance suffisante pour affronter le boss. Bon, c'était le premier coup, hein, mais je sais pas. Ça me donnait vraiment une impression de faiblesse. Le nombre de coups que je mettais aux mobs pour les tuer, c'était énorme. Et ensuite, donc, elle apparaît. J'imagine qu'on va lui mettre quelques coups et qu'elle va remettre en place des adds, etc. Donc ça va être déjà un combat interminable et j'ai pas l'impression qu'on a de la puissance suffisante. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Donc je sais pas. Je vais réfléchir un petit peu où aller. Je vais voir un petit peu leur vidéo. Je vais me renseigner un peu sur internet là par contre. Parce que je vois pas trop où je peux aller d'autre. Regardez peut-être un peu ma carte. Est-ce que j'aurais pas dû aller dans cette zone? C'est ça toujours le problème. Hein. Et aller peut-être ailleurs. On est à 60% de la carte découverte. C'est rien, 60%. On a encore plein d'endroits à faire. C'est un truc de fou. Hein. Le jeu, j'aurais cru qu'il était court. En fin de compte, c'est un jeu qui est vraiment dense hein, au niveau contenu. Hein. Il n'est pas tout petit. Hein. Loin de là. Hein. Bon, allez, sur ce... Je vous laisse, on se revoit très très vite en espérant plus de coups de téléphone hein, parce que prise de tête. Et sur ce, je vous dis ciao ciao à tous.